Salut. On va essayer de débloquer Tainted Bethany. Et c'est tout ce qu'on a à faire parce que The Beast, on a déjà fait avec elle. La Jar of Everything. Le problème, c'est ça. Ah non, attends. Je peux l'utiliser, là. Et ça fait une larme cheval? Pourquoi? Ah, mais... Ah là là, d'accord, attends. Je crois que ça a utilisé mes 4 cœurs bleus. On va voir ce que ça donne, mais je suis pas fan. Je suis pas fan de ce que je viens de faire, là. Parce que là, je peux l'utiliser. Ça fait une larme caca. En fait, c'est marrant parce que... D'habitude, t'es obligé d'attendre que l'objet qui est sur le bouquin des vertus soit chargé pour l'utiliser. Là, t'es pas obligé. Puisque la Everything Jar, tu peux l'utiliser même quand elle est pas complètement chargée. C'est juste la qualité de l'objet qui change. Donc c'est intéressant, j'ai plus de flamme. Génial. Ah si, il y a la flamme pony. Que j'ai eu avec 4 charges. Du coup, je comprends pas c'était quoi la récompense de la jarre avec 4 charges. Parce que moi, ça me montrait un cœur rouge. Mais c'est intéressant, la Everything Jar, parce qu'il peut vraiment y avoir tout dedans, quoi. C'est assez random, mais plus tu attends et plus t'es récompensé. Genre, tu peux avoir des clés dorées dedans, tu peux avoir... Bah là, on a une pièce avec 2 charges. Et si j'attendais un petit peu encore, j'aurais encore plus de choses. On va tenter cette run, mais déjà, le DPS ne sera pas là. Après, voilà, faut que j'arrive à jouer et avec la hitbox assez grande de Bethany, si on veut garder les flammes. Les wisps. Là, j'ai une bombe pour 3 charges. Une clé. C'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on peut se faire des ressources. Mais il faut se décider parce que... Là, si je veux la clé, voilà, c'est trop tard. Maintenant, c'est un cœur rouge. Ah. Je veux me faire une larme cœur, c'est ça? On va attendre un peu. Une pilule. Ça va filer des cœurs bleus, donc ça peut augmenter la récompense encore. Et du coup, j'ai pas compris tout à l'heure. J'ai pas compris comment ça marche. Parce que tout à l'heure, ça m'a montré... Tout à l'heure, ça m'a montré quand même le cœur rouge alors que j'avais une seule charge verte et quelques charges bleues. Ou alors c'est fixe, les récompenses de l'Everything Jar. Un cœur doré. La speed, oui. J'ai envie d'attendre encore un peu et de générer une flamme surpétée. Mais c'est ça le problème, c'est la tentation de se dire faut attendre et on génère jamais de flamme. Alors qu'on pourrait en générer à chaque salle. Mais du coup, des flammes très fragiles. Oh non, on voulait des cœurs bleus, là. Avec Bethany, on veut des cœurs bleus. Et le DPS n'est pas là. Il va falloir améliorer ça. La clé dorée. Donc c'est ce que je disais. 12 clubs. Vu qu'on a 0 bombe, on va pas l'utiliser tout de suite. Sauf si on a envie de débusquer la Secret Room d'ores et déjà. Elle peut être à 2 endroits. Attends, on va checker, hein. On sait jamais.
Elle peut être en bas là. Elle peut être à gauche ou à droite. Elle peut être aux deux endroits. Hein. Allez, let's go. Ah bon, ça va. C'est quoi ça? Qu'est-ce donc cela? What the fuck? Mais attends, mais c'est les bombes qui J'ai une énorme bombe. Alors, on va pas l'utiliser ici parce que... On n'a pas de clé, donc on pourrait pas récupérer le coffre à pierre. Mais j'ai une énorme bombe. Je savais même pas que ça existait. Pour moi, c'était la bombe des ennemis à H-Pit qui font ça, là. Et ils détruisent le sol. Ils créent des trous. Je savais même pas qu'on pouvait avoir ce genre d'objet. Et j'ai une flamme gigabombe. Ou... Non, c'est plume. J'ai une flamme plume. Comment ça? C'est trop bizarre. Donc en fait, le dernier achievement de la Everything Jar, c'était une méga bombe. Ok. Une bombe là. Bon, le gros avantage, c'est qu'on joue des basements. Ça fait plaisir, sans curse. Allez, je claque. Parce que je voulais la clé. J'en ai pas beaucoup. Enfin, je les déteste. L'autre là qui repousse les larmes. Enfin, c'est toujours les mêmes récompenses en fait. C'est toujours la même chose. Je pensais que c'était vraiment aléatoire. Ah si, on est Curse of the Lost. Je disais il n'y avait pas de curse, mais si. Bien sûr qu'il y en avait une. Je suis d'avis de me faire un build d'abord avec... avec plein de flammes, avec peu de charge. Et ensuite de... D'attendre un peu plus. Comme ça au moins j'ai du DPS parce que là il n'y a rien. Hein. J'ai pas envie que vous vous ennuyiez. Hein. Ok, les ressources ça revient. Voilà, en plus les flammes tirent du spectral. C'est trop beau. De nouveau une clé. Hop, vas-y. Steam Sale, on n'a pas la thune. Sauf si on fait exploser l'énorme bombe. Et du coup, bah... On a moult pièces depuis la machine de don. Mais je ne pense pas que ça marche comme ça. Meurs à la fin. Une mouche anecdotique qui me tient tête. Bon, de plus en plus, je commence à me dire que cette run est intéressante. À défaut d'être totalement ouf. Parce que pour l'instant, on n'y est pas. Argent. Voilà, je fais des flammes de plein de sortes. J'ai pas été à l'item room, hein, on est d'accord. Hein. J'ai fait juste magasin. Il est où? Elle est où l'item room? Ah. Ouais. De nouveaux serpents de skis. Alors, qui devrait théoriquement... un peu plus souvent vu qu'on a 0 de luck et pas moins 1. Oh non, pas eux. Donc on répète, hein, si jamais on rentre en contact avec un ennemi empoisonné, ça peut générer un cœur noir. Casse-couille. On devrait les renommer les casse-couilles. C'est pas des gurglings ça.
C'est vrai qu'on a la Godroom dès le début avec elle. Grâce au bouquin. Allez, let's go. Trisagion. Alors du coup, là on pète tout. Par contre, il n'y en avait qu'une, hein, on est d'accord. Hein. Oh putain, oh le DPS. Comment c'est possible un truc pareil? Bon allez, je prends le cœur pourri, on est là pour jouer. Attends, mais il sortait d'où le DPS? Là, je l'ai annihilé, l'ange. Incroyable. Oh non, pas cette salle. Le Petrified Poop, ça fait plaisir par contre. Voilà, nickel. Ouais, ouais, c'est ça, le cœur est bien à 5 charges. Non, 4 charges. Non, 5, pardon. Difficile à lire. Hein. Bon, le DPS, c'est pas si ouf que je le pensais. Hein. Je me suis emballé. C'est juste que comme les larmes sont transperçantes... Une carte, oui. The Sun. The Sun, c'est cool. On va voir ce que donne l'étage. Et au pire... on l'utilisera... pour révéler la Secret Room et éventuellement soigner si on est nul contre le boss. 5 bombes, on va peut-être pas l'utiliser à ce moment-là. On a 7 clés également, on va attendre un peu. Très très bien. Salut Regarde, comment vas-tu? Bah, écoute, ça va très bien. Comment ça se passe? Eh ben, début poussif et finalement on arrive à faire des choses. J'espère que toi tu vas bien. Ça doit être les vacances là, ou peut-être la reprise plus du boulot intensément. Vu que justement c'est la vacance pour les gens. Une autre carte. Je ne sais pas là. Alors là, qu'est-ce que je vise? Je vise The Beast, mais je vise surtout de débloquer Tainted Bethany. Parce qu'on a déjà fait The Beast avec elle, à une époque où on connaissait pas l'histoire des Crack-Key. Cœur bleu, ça me va, cœur bleu. Du coup, j'ai fait une flamme quoi, là? Une flamme cœur bleu? Non, même pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah, t'es ton propre bâton. Alors, je sais pas si être son propre bâton, ça veut dire être tout le temps en vacances. Ça dépend du métier. Il y a probablement des métiers où c'est plus vrai que d'autres. Ah bah, la voilà, là. Black Candle qu'on cherchait. On a Diplopia aussi qui fait envie. Ah bah on a déjà les larmes transperçantes. Merci le jeu. Et te foutre de moi. On a fait l'étage là. Hein. On va peut-être checker la change room qui va filer des charges pour l'objet. Et on a un cœur rouge donc on pourra faire la curse également. Ah non, attends. Ouf. Bon, le build est pas trop mal, là. Le Trisagion fait très plaisir. Oh là là, too much cards. Ah oui, d'accord, donc l'organisation des tournois de poker, tu profites au fait des... Enfin, tu profites aussi des prix. Ça, c'est intéressant. Ok,
Je sais pas si je peux générer encore des flammes parce que ce qui est marrant avec cet objet là que j'ai sur mon Book of Virtues, c'est que j'ai l'impression que je suis limité, ce qui est logique. Et donc je peux jamais stacker d'autres flammes par-dessus. Donc c'est marrant. Alors, ça, on va se le faire sucré, hein. Mais c'est vrai que c'est très tentant de le garder. Ouais, les cœurs, on va faire la curse. Super. Ouf, et heureusement que le A+, on le perd pas en faisant la curse room, hein. J'aurais eu l'air con. Donc attends, au magasin, il y avait... pas au magasin, il y avait du... Il y avait quoi C'était quoi la carte à la change room? Parce que là, il y avait The Sun. On a utilisé donc... on a utilisé Justice. J'ai oublié. C'était un Strength, non? J'ai le doute. Ou alors, j'ai pas regardé. On y va, hein, ça vaut le coup. De toute façon, on va à The Beast, on va être rapide. Wheel of Fortune. Dommage, on n'a pas eu de... Sinon, je prends Diplopia. Mais ça veut dire qu'après, j'ai plus d'objets actifs pour mon bouquin. Mais en même temps, j'ai l'impression que je peux pas aller plus loin niveau larmes, là. J'ai tout ce qui... Je suis arrivé au max. Ou alors, je peux aller tout au bout encore. Je vais tout au bout. Tant pis pour le Diplopia. On va prendre le Black Candle. Voilà. C'est vrai que je l'avais pas acheté. Accessoirement, je l'avais pas acheté. Et elle a filé un cœur noir, donc du coup, ça a chargé l'objet. J'ai envie de dire let's go. On a toujours que 3 cœurs, par contre. Ça, c'est un vrai problème. Flooded Cave, c'est aussi un vrai problème. Bon, heureusement, on a des larmes transperçantes avec Envy. C'est quand même le plaisir. Ça évite qu'ils rebondissent comme des relous. Une clé dorée. On a 6 clés, non, c'est pas la peine. Oh oui, le knockback. Ah, c'est bon, on a de la bombe. Donc du coup, ça va générer n'importe quel objet ou ça va me générer tout, encore le gros... L'effet du data miner. Sérieusement, le jeu? What the fuck? Fuck happened. Ah, je pense que c'est l'une de mes flammes en se détruisant, elle a fait ça. J'ai pas compris. Le jeu. Ah mais non mais arrête là. Ah, oh, on a nettoyé la salle, là. Et sinon... Oh putain, le Petrified Poop, je ne l'ai plus. La loose. Mais le magasin? Where is the shop? J'ai pas envie de faire la petite salle là. Si je suis pas obligé, je n'irai pas. À chaque fois ça, je fais de la merde. L'épine. Je le savais. Ah ouais, non mais là c'est de la merde. Évidemment que c'est de la merde. Et sinon, les salles, elles sont où? Le plaisir Trisagion pour cette salle. Une pilule, évidemment, qu'on va attendre.
Évidemment qu'on va pas jouer la pilule. Oh, la blanquette, je la veux. Do want. Donc, faut faire la petite salle, hein, visiblement. Le jeu nous y oblige. Et où je vais, là? Et puis, comme tout à l'heure, on fera la curse room à la fin. Il y a des cœurs rouges qui traînent. Là, c'est cœur bleu. Qu'est-ce que speed... Road Rage ça va, la speed la range. Est-ce qu'on veut de ce cœur bleu? Ou est-ce qu'on attend encore un peu? J'ai l'impression qu'à la fin, une fois qu'on est arrivé au max, on a l'effet d'un objet aléatoire. Et j'ai eu Data Miner. Alors, est-ce que ça peut troll un peu plus? Je ne sais pas. J'espère que non. Qu'est-ce que c'est que cette bombe? Ah, c'est une bombe qui pleure du sang. C'était une sad bombe. Oh, le bâtard. Oh, du T-Rate. La bombe dorée. C'est quoi, c'est Gordon Angel, ça? Ouais. Vas-y, vas-y, tire-toi. Voilà. Toi aussi, vas-y. Voilà. Ça tire qu'une fois, ça, on est d'accord. Après, ça tire plus. Vas-y, tire-toi. Voilà. Voilà, si je te bait, toi, tu tires plus, on est d'accord. C'est une fois par salle. Vas-y. Comme ça, on a la paix après. Allez! Il a attendu que je m'arrête. Saloperie. Oh oui, il va dans le feu. Va dans le feu. Oui. Oh oui, même tes sbires y vont. Et c'est Serpanski ce qui fait à ce point mal avec Trisagion. Parce que je suis étonné parfois des dégâts. Alors que le build, il est pas ouf, quoi. Voilà. Donc là... Effet d'objet aléatoire. J'ai eu du caca et des araignées. D'accord. C'est bof. En tout cas, on a toujours notre A+, et ça fait plaisir. Combien de temps on va le garder encore? Grand mystère. Ah oui, la bombe n'était pas accessible, c'est vrai. Bof. C'est très bof. On pourrait utiliser The Sun ou alors découvrir par nous-mêmes la Secret Room à gauche, à droite, non. En bas, ici, non, pas possible non plus. Waouh. Ah, il y a... Ah, mince. Bah, attends, mais... À gauche, là? Non, pas possible non plus. Donc, à droite, là? Non. Donc, on a éliminé ça. Il y a encore deux autres... Enfin, trois autres endroits, je dirais. Ou à droite, là? Et merde. Je suis pas encore très doué sur ça. Ah bah, de toute façon, c'était pas là. Ok. Donc à gauche, mais même pas en fait. C'est où à droite là? Ou à gauche du magasin? Comment ça? Enfin en haut du magasin? C'est là donc. Incroyable. Oh, ça je le veux. C'est un peu de la sorcellerie, je suis d'accord. Parce que là, franchement... Il y avait d'autres endroits bien plus évidents pour la Secret Room, mais en même temps,
tous les endroits évidents entre 4 salles ou 3 salles étaient bloqués par du vide ou des rochers, donc ça avait tout de suite éliminé pas mal de possibilités. Je pourrais faire la grosse challenge room, mais... Est-ce qu'on est grid à ce point? Je pourrais essayer aussi de trouver où est la super secrète, mais là, je pense qu'elle est pas en haut. Je teste uniquement ça, je... Bon, ça va. Non. Non. Emperor... Non, pas Emperor. Do you want to continue with my son? Alors, c'est quoi ça? C'est non. Non, mais ça, mais... On l'avait pas dit, le A+. Et évidemment, notre Godroom s'en est allé. Après, voilà, hein, on le répète, on veut juste débloquer Tainted Bethany, il faut juste survivre jusque-là. Tant pis si on fait pas The Beast. Ça se fait, je suis... Oh, il y a du beurre. Oh, il y a du Brie d'hélice. Ou du président, comme vous voulez. Ou même du beurre de chez votre laitier préféré. Le beurre, ça peut être intéressant si on a envie de vraiment se débarrasser de notre jar of everything. Mais sans la remplacer par quelconque autre objet ou si jamais il n'y a pas d'autre objectif. Mais ah, déjà le boss? Where is the shop? Ok. Ça, c'est un coup à se faire deny ses flammes. Voilà. Mais elle reste en place, celle-là. Oh, la vilaine. J'en génère d'autres, je m'en fous. Les flammes me protègent parce que je fais vraiment de la merde. Après, il y a pas beaucoup de DPS, hein. Vraiment là, c'est là qu'on le constate, hein. C'est vrai que le premier range, on l'a fumé, mais. Ouais, bah non. C'est un peu nul, hein, ce magasin, on est d'accord. 12%. C'est dans la poche. Après, faut pas se faire toucher pendant le boss, hein. C'est le gros souci. Faut vraiment faire gaffe à ça. Mais j'ai les larmes spectrales, Ah non, mais c'est les larmes de mes wisps. Ça va être ça. Pour l'instant, j'ai pas été entièrement satisfait de la Jar of Everything qui m'a filé 3 effets pourris. Rappelons un data miner. La bombe, la méga bombe, mais franchement, la méga bombe, voilà quoi. On aurait pu faire une belle run sans. Des yeux. Pop. Ok.
Le jeu il tient là avec ça, il va pas crash là. Quelle horreur. Oh là, par contre c'est fort hein. D'accord, les trisagions restent et génèrent encore plus d'yeux. Incroyable. Donc les 12% malheureusement... ça n'a point été le cas. Il y a un demi-cœur rouge. La cœur, c'est risqué. On pourrait la faire, de toute façon. Qu'on se fasse toucher maintenant... enfin, ce que je veux dire, c'est que... Qu'on se fasse toucher full life ou pas, ça sera la même chose. Je vais faire la challenge room et... Oh putain. Je vois rien. Et j'ai une flamme qui s'est fait deny. On pourrait aussi chercher la secret room, encore une fois. En bas là. En haut. On pourrait être à gauche. À droite. Là. Voilà, il y a beaucoup d'endroits là. Hein. Oh, il y a beaucoup trop d'endroits. Après, il y a des layouts de salles qui donnent des indices. Bah, là, bof. Hein. J'avais une idée. J'ai deux pistes beaucoup plus sérieuses ici, mais la layout de salle me... Moi, j'irai à droite, là. J'aurais dû l'exploser, lui. Mais j'avais explosé un mendiant, non? Il me semble. Hein. Ouais, let's go, la curse. Je suis en train de suroptimiser alors que en fait... Waouh, ça c'était un sacré move. Hein. Oh, le jeu me baise. Voilà. Ça m'a énervé. Mystery Medicine. C'est pas un effet aléatoire de seringue, ça? Si, voilà, là j'ai de la speed. Donc ça m'a dû me mettre... Boxer Friend là, je l'aurais bien prise. Oh! Oh, encore plus d'options! Allez, là on farm. Hein. On sait jamais. C'est de trouver la super secrète. Ah, il me le faut absolument. On est à Dank Depths. Putain, on pourrait être à... J'ai cru qu'on était à Depths 2, mais ça va aller. Elle pourrait être là, hein, la super secrète, là. Hein. Non? Quand même. De nouveau The Sun. Ah non, là la source d'argent... Alors si, la Curse Room. Il y a un coffre piégé. Alors les coffres piégés, pour qu'ils me donnent 7 balles, faut se lever tôt. Hein. Il y a aussi de l'argent dans la salle en L. Et éventuellement dans les crânes, on pourrait tomber sur un Two of Diamonds. The lovers. Ce qui serait ouf. Ah, mais vous avez pas vu, je le faisais exprès depuis tout à l'heure, en fait, pour le spectacle. Donc comme prévu, hein, pas de... Ah oui, d'accord, c'était ça, avec le beurre. Eh bien, non. C'est non. Dommage. Donc, pas de more options, malheureusement. Bah là, il n'y a plus moyen d'arnaquer, là. Hein. On a tout pris. Hein. On a tout pris. Mais c'est pas mal. On part d'ici avec une option de boss. C'est déjà cool.
Donc il va nous rester un étage à faire. Bah oui, mais justement, avec Mom, ça marche pas. Oh merde. Ouhouhou. Ouais, donc en fait, mon option, il sert à rien. On est ravis. On est ravis. Allez, un Two of Diamonds, là. The Tower. C'est quoi ça, The Empress? Bah, The Empress, c'est bien, je préfère. Ah, oh, mais je suis deg! Ah non, il n'y a vraiment plus rien à faire, là. Ah! Je gratte, hein, on sait jamais. Une trappe avec du... avec de, du pognon dedans. Tant pis. Tant pis parce que mon option, il sert vraiment à rien. Faudrait que je continue la run au-delà de Mom's Foot. Et ça ne sera pas le cas. C'est un peu nawak, hein, cet objet avec les yeux, là. Ça autoplay, en fait. Bah voilà, l'argent arrive, là. Foutage de gueule. Non, j'ai pas envie de reroll mon build. C'est bien, là. Si c'était vraiment nul, je l'aurais fait. Mais là... je peux finir la run comme ça. Ah, c'est la main qui a ouvert la secret room. Bah, ça fait plaisir, ça évitera d'avoir un grid au magasin là. On peut pas avoir grid et super grid au même étage, on est d'accord. On peut de nouveau avoir la bombe dorée. Pour ça, la jar of everything est plutôt cool. L'est-il ? Pourquoi ça a explosé tout d'un coup là ? J'ai fait un caca, ça a explosé ? C'était un caca explosif ? Bon, le calporte c'est bien mieux comme trinket. Largement quoi. C'est tout. Au revoir. J'aimerais bien voir le magasin d'abord. Allez, on en met un peu partout. Voilà, on couvre la zone. Comme ça, on est bien. Par contre, je vois pas... ok. Tac. On a fini la salle, on était pas au courant. Le piggy bank qui est nul. Ça, c'est mieux. Ace of clubs. Full. Strange, hein. Forever Alone, ça, non? Hmm. C'est la mouche bleue qui est loin, voilà. Qui tourne vite? Pourquoi il tourne vite comme ça? Voilà, ça peut troller les araignées, là, faut faire gaffe. Voilà, désolé les holos, là, mais... vous êtes tombé face à un puissant adversaire. Bah déjà le boss là. Hein. On a fait le vault, on a fait l'item room. On pourrait faire la curse. Il y a... ça, ça fait plaisir. On va le perdre avec le combat contre Mom's Foot, mais ça fait plaisir. Il y a un The Sun, hein.
Ouais, on va faire la curse et utiliser le The Sun. Oh, le foutage de gueule. Merci le jeu. J'ai aussi envie de chercher la super secrète. On peut pas être là. Oh oui, des yeux empoisonnés. Bâtard, ça. Hein. Bon, il y a d'autres emplacements de super secrètes un peu faciles. Proche du boss. Éventuellement là, mais... Voilà. Non, je pense que c'est plus dans... Ouais, c'est ici. Waouh! Sérieusement, le butt penny là, l'argent qui fait des proutes. Au secours quoi le jeu. Alors attends, c'était où The Sun? Ah, c'était au magasin. Parce que là j'ai qu'un demi-cœur. Après je pourrais embarquer Ace of Clubs. Ace of Clubs, des bombes. Là j'ai assez de bombes, c'est bon. On va se détendre. J'aurais bien reroll ce magasin. Je viens d'oublier qu'il me fallait The Fool. Je suis un peu idiot. Bah oui. Dommage pour Strength. On va débloquer Tainted Bethany quand même. J'ai un trinket nul qui traîne. Ouais. On va le mettre dans l'item room. Parce qu'actuellement il est dans le vault. Voilà. Toi, tu viens, tu te mets là et on refera toutes les item rooms en remontant. L'erreur fatale, ouais, c'est... Je sais pas ce qui m'a pris, j'étais parti dans mon délire que j'étais inarrêtable. Alors après, j'ai... Bah si, c'est ça, je râlais que mon option va servir à rien, mais c'est la vérité en plus, la vérité vraie. Il va vraiment servir à rien parce que même à Mausolée, il n'y a pas de boss. C'est horrible. Les deux derniers étages que je vais faire, il n'y a pas... L'objet ne servira à rien. Mais depuis quand? Je t'ai pas entendu. Oh, la vilaine. Elle piétine un peu trop souvent à mon goût. On peut reprendre Strains maintenant. C'est vrai que voilà. Il aurait fallu faire un peu plus attention. Alors on peut reprendre une bombe dorée si on veut. Elle m'a défoncé des flammes la vilaine maman. Allez, on va la jouer ouf. On va la jouer ouf malade. Avec l'objet indéterminé. Ça va être très impressionnant. D'accord. Comment ça? Ah non, hein. Pas Forgotten. Non. Pas la grande prêtresse inversée, là. Hein. C'est hors de question. Si je pouvais tuer les Fatis d'abord. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Pourquoi y a maman? Mon dieu, je veux pas mourir, hein. Si
ça se trouve, la Everything Jar, elle m'a filé le... La pelle cassée. Je déteste ma vie, hein. Je vous le dis comme ça, hein. Ah non, mais elle essaierait de me piétiner beaucoup plus souvent si c'était le cas. Bogo Bomb, ça pue, hein. Ah, ça pue bien comme il faut. Bon, bah, on va mettre de l'argent dans la machine, hein. On a plus que ça à faire. Un petit lock-up. Ah bah non. Eh, hey, évidemment, elle se bloque maintenant. Dégoûté. Ça donne un cœur noir. Ainsi que des bombes. Merveilleux la troll bombe là. On a kiffé. J'aimerais bien la... Qu'est-ce que j'aimerais là comme objet de la jarre? Quel HP up, ça fait plaisir. Waouh! Ah merde, j'ai le temps. Oh bah c'est bon, elle a été validée. Allez, let's go. Oh bah de nouveau. Ah non, celle-là, elle pète. Ah, je voulais la récupérer. Vous avez kiffé? Vous avez kiffé me voir attendre 12 charges pour que dalle? My god. Vas-y, on va laisser un autre trinket. Ah mais non, mais j'ai le door stop. Ouais, mais si, je peux. Ah mais non, mais je reviens pas. Non, je peux pas revenir. Fichtre. L'item room, alors. On va laisser le matchstick à l'item room. Qu'on verra l'objet qui est en blind. Je préfère limite utiliser le caca pour avoir une flamme plutôt que d'attendre de le charger complètement. Voilà. Je préfère le caca. En plus, ça peut looter des trucs. C'est forcément mieux que l'effet du data miner. Midas Touch, c'est bien. Et une petite craque qui là. Hop là. Une sacrifice, dis donc. Intéressant. The Sun. Ah non, c'est mon strength. Je l'avais lâché? Ah oui, la craque qui. Et là, il y en a une autre. Et on va la garder cette fois-ci. Allez, vas-y, on claque the strength. Heureusement que j'y ai pensé à celle-là, hein, parce que sinon, ça aurait été le cringe absolu d'utiliser la crack key pour une sacrifice room. Je sais pas ce que ça peut donner un combat The Beast avec un tel build. Hein. La lisibilité est médiocre. Allez, là, on trace maintenant. Hein. 48 minutes. Sérieusement? J'ai un 62 speed. Comment il m'a... Ouais, shut up. Sérieux. Les cartes restent, ça c'est bien aussi. En fait, tout ce qu'on laisse dans les item rooms et les salles de boss restent. Les cœurs, les cartes, les trinkets sont transformés en crack key, mais... Et tout le reste reste tel quel, et ça c'est plutôt cool. C'est bon à savoir en fait, quand tu sais que tu vas faire une run The Beast, tu laisses plein de trucs. Alors que tu peux bien sûr lâcher. C'est vachement intéressant. Ouais, ça par contre ça sert à rien.
un golden poop. Ok. Je me demandais comment allait se passer cette salle. On a réussi à la gérer. Oh mon dieu. Voilà. La salle est méconnaissable. Le avant et le après. Ah non. Mais en fait, j'ai pas besoin de faire les cul-de-sac. J'ai le doorstop, mon golo. Voilà, on avance juste. Et si c'est un... Si c'est un, une impasse, on repart. Plutôt que de finir les salles. Et quoi là? Rien. Oh, une autre cracky! Oh! C'était vraiment le plaisir. On a laissé plein de trucs. C'est la fête, allez! Bon, on a des salles anecdotiques, mais en même temps. Je crois pas qu'on ait des salles pétées sur la remontée vers home. Encore un Gekka comme ça? Cette chance! Et pourquoi maman elle débarque de temps en temps? C'est ouf ça! J'aimerais bien savoir quel objet a fait ce truc. C'est incroyable! Bon, elle m'aide hein! C'est plutôt cool! Mais c'est aussi inquiétant! Waouh! Alors j'ai une flamme D6 qui reroll quand on elle se fait toucher. Moi je suis abonné aux larmes caca. Hein. Ah oui voilà par exemple ça, ça a rien de le faire. Voilà. Parce que quand il y a des sacs à PV à l'intérieur des salles, et que tu peux t'en aller, parce que c'est pas le bon chemin, bah tu te casses. Allez, on arrose. C'est vraiment ça le truc. On arrose. Là, bon, obligé de la faire celle-là, mais ça va, c'est deux du Cove Fly. Il y a plus difficile. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul aussi, mais voilà, pas le choix. Let's go, Tainted Bethany, c'est fait. Et là, il se tue. Je vois pas de quelle manière, mais... Oh, oh non, bah non. Justement, non. On veut pas cette carte. C'est la seule carte inversée qu'on a débloquée et elle est nulle. Ça n'a vraiment pas de bol. Ou alors, elles sont vraiment toutes nulles. Ce qui serait ouf, mais... Why not? Oh, elle a pris un headshot. Oh, ils lui ont tiré une balle dans la tête. The Zealot. La Zealot ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais je me suis fait chier à avoir des cracky pour ça ? Foutage de girl. Ah, je peux pas l'utiliser. Ah là là. Oh, la déception. On peut même pas l'utiliser, en fait. Oh. Dommage. J'aurais généré une larme. Clé rouge qui ouvre d'autres salles. Wow.
Bon là c'est du bonus, hein. On n'est pas obligé de faire ça, hein, mais c'est pour le plaisir des yeux. Et quand je parle des yeux, je parle évidemment des larmes œil. Pour en foutre plein l'écran. Ouais, mais je vois rien. Le combat de bis, ça va être n'importe quoi. Si je survis, c'est un miracle. Ah mais les rayons là, ils abusent un peu là. Fais la roue tourne là. Voilà. Parce que là, faut y croire. Oh oui. Je pense que si on ferme les yeux, ça se passera bien. Très lisible, très très lisible, incroyable. Alors l'encodage, il va souffrir, hein. Ok, on voit rien. Et toutes mes flammes se font deny. Je ne vois rien. Bon, on a fait un boss déjà. Ah merde, mon Holy Mantle! Oh, j'avais oublié que je l'avais. Du coup, j'ai pris des risques. En fait, j'ai l'impression que mes trisagions ont très peu de range. Et que du coup, si je vais proche du boss, il prend plus de DPS. Mais je suis pas sûr de cette théorie, hein. Sur 4. Après on débloquera rien en faisant The Beast, mais bon, c'est pour le style. Je fais nimp. Je pourrais générer un cœur plutôt que de générer des pièces. Il faut attendre longtemps pour le cœur, je crois. C'est au moins 4 charges. J'ai tout pris dans la tronche. Ah, il y avait un cœur noir. Pauvre de moi. Oh, même les stalactites, ils prennent cher. Oh, les yeux, ils arrivent pas à suivre. Ah, c'est marrant, ça. Oh, il avale tous les yeux qui sont restés derrière. Excellent. Sérieusement, n'importe quoi. Allez, phase 2. Oh, c'est bon en fait. Faut dire, c'est tellement nimp pop. On voit rien, mais... Alors, c'est pas à jouer quand tu joues The Lost, quoi. Ou alors, c'est parce que c'est avec Trisagion, mais... Excellent. Et on a rien débloqué. Non, mais au moins, j'ai été une petite Bethany. Et ça, c'est beau. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La bise.